Et bonsoir les amis, comment ça va tout le monde? Alors, la semaine dernière, on a fait des petits adaptateurs pour PlayStation, le premier adaptateur, donc sans fil, Bluetooth, et on en a fait un pour Super Nintendo. Donc ces deux adaptateurs, j'ai un tout petit peu retravaillé dessus, c'est-à-dire que j'ai uniquement rassembler un petit peu pour faire juste la taille de la petite carte de développement, et j'ai mis un petit peu de colle chaude par-ci par-là pour pas qu'on tire trop sur les câbles, que ça bouge pas trop puisque les soudures sont quand même un petit peu fragiles. Voilà la seule chose que j'ai retravaillé sur ces deux projets. Et donc ce soir, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser une petite boîte en 3D qu'on pourra imprimer sur une imprimante 3D. Pour pouvoir ranger ça proprement, qu'on n'ait pas le composant qui pende devant la console. Voilà. Donc pour ça, on va se retrouver sur 360 et on va essayer de modéliser ça ensemble. Voilà. Ah, on va pas forcément tout de suite. On reviendra et je prendrai les cotes. Donc, on va commencer. Si, allez, je le mets, par prendre les dimensions globales du composant. Donc le composant il fait, on va prendre avec la prise USB 55, parce que l'autre c'est pareil, on va dire 55 mm par 25,2, on va mettre 25,5, on va regarder l'autre. Vingt-cinq trois. Donc on a dit 55. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, 55. Ça fait un poil plus. 55, ça rentrera un petit peu de force. Ah, donc on a dit 25,3. Donc on va commencer par une esquisse, on va prendre le plan horizontal et on va se créer un petit rectangle qui va faire 55. Allez, c'est des millimètres, donc on va se mettre 0,2 mm de marge. Mince, et j'ai pas réglé l'autre correctement. 55, et donc ici modifier, non, et ben on recommence. Pas valider. Donc on a dit 555,2 et je me rappelle déjà plus, et 25,3 je crois. On avait dit 25,3. Regarde un peu de marge. Allez, gardez un peu de marge, 25,4. Ok, donc ça c'est la taille uniquement de mon composant. Ok, donc c'est la place qu'il va prendre dans la boîte. Donc une fois qu'on a ça, je vais me prévoir un petit peu plus de marge puisque là-dedans, en plus, c'est en gros l'emplacement dans lequel va venir se mettre la carte. Et moi, je veux avoir un petit peu de marge sur les côtés pour pouvoir venir la clipser au fond de mon boîtier. Donc, mon boîtier, je vais le faire un peu plus grand. Je vais prendre un autre carré. Combien je vais prendre de chaque côté? Alors, côté LED, on va se rajouter combien? Côté LED, on va se rajouter 6 mm, ça suffit. Allez, 6. 6. Et si je mets 6 de l'autre côté, est-ce que ça va me suffire? Côté, ça va être un peu juste. L'autre côté, on va mettre 10. Donc, on va faire un rectangle. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais faire des marques avec juste des lignes. Donc on a dit, si je le prends dans ce sens, il me faut 6 de ce côté et 10 de celui-là. On va prendre de la marge, on va mettre 12. Pas 12, ça fait 1 cm et quelques.
Oh, je vais prendre 15. Allez. Non, pas 115. Ah. 15. Voilà. Tac. Ok. Donc ça, ça va être mon rectangle. Et ensuite, à l'arrière, ici, je vais prendre une marge de combien? Je vais prendre une marge de... Je vais prendre... 3, ça va me suffire. 3. Ok, et de l'autre côté. Mm, ça sera l'épaisseur de ma coque, ça ira très bien. De l'autre côté, 3 aussi. Voilà, c'est très bien, 3 mm. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre un premier rectangle pour tomber en face de mes trucs là, voilà, tac. Et je vais pouvoir du coup de ce point là repartir et faire un autre rectangle, donc jusque là, jusque là, tac tac. Voilà. Où je vais pouvoir virer tous mes trucs superflus, ils me servent pas. Ça et ça, voilà, tous mes marqueurs que j'avais fait. Voilà, voilà la base de ma petite boîte. Ça sera pas mal, ça sera pas mal. Ensuite, on va monter le tout d'une certaine distance. Je vais me refaire du... Non. Je vais rester là. Et on va mettre 3. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire juste là. Okay. Et on va faire 3 mm aussi. Tac. Et on va pouvoir virer. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? Là, ça fait. Cette partie et enfin notre rectangle touk et touk. Ok, et là ça, ça fait bien. Ah mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, ça, j'ai pas été assez loin ici. Alors, comment je peux faire? Ah mince. Partir. Ouais. Oh, je me suis pas mis en fait. Oh. Voilà, comme ça. Oh. Et ça. Oh. Là, voilà. Donc ensuite on a dit nouveau rectangle, là le hook, et enfin je vais pouvoir enlever ce marquage, cette petite barre, prendre cette petite, ça c'est bon. Non, ça va pas ce que j'ai fait. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il va falloir que je laisse des... On va recommencer.
va recommencer. On va reprendre la dimension. Ah, donc ça, 55, 20 par machin. Donc on a dit, ici on va laisser 6 mm. Ici on va en laisser 15. Et ensuite ici, on va en laisser 3. Côté, on va en laisser 3 également. Ok. Il va nous mettre tac. Tac. Ici, on se met face du 6. Face du 3. Paf paf. Ça se cale tout seul. Ok. Ah, c'est bon, j'enlève mes traits. Dégage. Ah, il dégage. Ok, j'ai ce cercle et ce cercle. Ensuite, autour de ça, je me mets. Ah mince, j'aurais dû baisser. Du tout, non, c'est très bien. Mettre un marqueur. Ah. 3 mm, et vite je prends un nouveau rectangle, ouf, 3, je vais le mettre à 3, notre marqueur pour 3 mm, ah, je les supprimerai après, c'est pas grave, ah, et 3, voilà, comme ça. Ça, ça disparaît. Ça disparaît. J'ai un cadre ici. Et un cadre ici. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, j'aurais pu faire autrement. C'est pas grave. Ça. On va faire autrement. On commence. Donc ça, c'est bon. Ok, lui, je vais lui dire décalage, 3 mm. Et pourquoi il m'a pas pris tout le rectangle là? Ah, faut que je fasse comme ça. Décalage. Tac, et je lui dis 3. Ok. Et lui, autre rectangle là. Ah, j'ai l'air fin là. Ça, quel âge, ça, je dis moins 3, pouf, et pouf, il fait que j'ai des bordures, là, 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 j'en ai bien une de 3 mm, qui va monter qu'un tout petit peu, et après j'ai tout le pourtour du truc, 3 mm c'est peut-être beaucoup les murs de... Hein, quoique, bon, c'est pas si épais que ça, 3 mm. On va laisser 3 mm, c'est très bien. On va laisser 3 mm, ou alors je fais que 2. Je fais que 2. Je peux faire que 2. Tac. Et ça. Ça, et je fais moins 2. Ok. 2 mm, ça devrait être suffisant. Salut les Gjo. 2 mm, 2 mm. Ouais, ça devrait être bon pour une boîte. Ouais, allez, 2 mm, ça va suffire, je pense. Ok. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc là, normalement, je fais toute une bordure à 2 mm. Et si je faisais pareil ici, du coup, ça. Celle-là, paf, on va dire, donc la, le contour, 2 mm, ok, ça monte de 2, après, là, je prends ce contour et je fais moins 2, ah, mais du coup là j'ai chevauchement d'1 mm, c'est pas terrible, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça,
va laisser comme ça. À mes sélections, débrouillerai pour monter. Donc, on va tout sélectionner, terminer l'esquisse. On va monter le tout de. Bah pareil, on va se faire une épaisseur de combien? 2 mm suffit. Même moins. Pas besoin de beaucoup là. 1 mm, ça fait suffire. Je vais faire des couches de combien? Je vais faire des couches de 0,2, 4, 6, 8. 1 mm, ça me fait 5 couches. Allez, je fais 1 mm. Touk. Donc là, normalement, ça me fait bien un truc épais d'un millimètre. Ok, ensuite je retourne dans mon esquisse. Je prends mon contour de mon petit Arduino. Pas de mon petit Arduino. De mon ESP. Et ok, je termine. Et ça, je vais le remonter de. Combien je le monte ça? Monter de. De. Allez, on va dire. 3 mm. 3 mm, ça passe. Donc, je le remonte de 3. Pouf! Non! Non! C'est pas ça que je voulais faire! Tac, 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 et tac. Ah non, j'ai pas vu. Nouvelle manette. Mais c'est quoi, c'est des nouveaux Joy-Con ou c'est une nouvelle manette? J'ai pas vu, non. J'ai pas vu du tout. Nouvelle manette de Switch. Alors, j'ai vaguement entendu parler de joystick qui pouvait pas s'user, mais donc ça doit être ça alors. Vous êtes ça que j'ai loupé. Donc là, on a dit qu'on remontait de 3 mm. Ah bah oui, mais donc il faut que je fasse 3 plus 1, 4, 4, et du coup 4, 4, 4, 4, 4. Il faut que je fasse, non pas couper, mais joindre. Ok, donc là, normalement. Et bien une hauteur de 3 mm dans lequel va venir le composant. Oui, tu as dû mettre un lien et du coup j'autorise pas les URL sur le chat. C'est pour éviter s'il y a des gens qui veulent spammer de la pub ou quoi que ce soit. Je mets pas de lien, mais pas de souci. Regarde, je relaye. Donc je peux vérifier le lien, je relaye. Là, editioncollector.fr, y a pas de souci. Et on va aller voir ça. Ah oui, donc c'est en version Joy-Con. D'accord. Donc ils ont refait en fait. Ah mais c'est pas de l'officiel, d'accord. C'est pas de l'officiel Nintendo. Mais on dirait du recopié de manette de GameCube. J'ai derrière. Précommande à 65€, d'accord, donc c'est vraiment en format Joy-Con. Et t'as la sensation, je pense, d'avoir. Ah ouais, c'est vraiment une repro de la manette de GameCube. Ah, intéressant, pourquoi pas. Alors du coup, tu sais un peu la technologie qu'ils mettent dedans pour que les joysticks ils s'usent pas. Ils en parlent un peu. Joystick à effet hall, ok. Ne se touche jamais physiquement, les capteurs ne suivent pas comme ils font sur le joystick analogique. Ok, merci. Ah ouais, puis c'est, du coup, c'est rechargé par deux USB-C, quoi. Oh, par contre, galère, il faut recharger chaque portion séparément. Et édition limitée à 10 000 exemplaires. Ouais, bon, c'est pas si cher, franchement. Ah, c'est... Dispo chez Cheap and Mods. Mais à 90 balles. Mais avec la garantie qu'il n'y ait pas de frais de douane. Revendeur officiel. Joystick à effet hall. Ok, intéressant. Par contre, bah ouais, ça a pas du tout la gueule des Joy-Con. Faut avoir envie de se trimballer en portable avec tout ça, quoi. Voilà le monstre. Hein. Oh, oh, ça fait un beau monstre. Après, intéressant. Ça aurait été appréciable que ça puisse se recharger via la Switch comme les Joy-Con d'origine. Et qui est pas, parce que visiblement,
On voit dessous, il y a un port USB-C par, par demi-manette, on va dire. Du coup, faut recharger ça à la main. Ouais, bon, à voir. À voir. Allez, on va continuer sur cette modélisation 3D. Ah ouais, bah ça, c'est sûr que tu retrouves les sensations de la GameCube. Donc, on a dit 25.3. 25.3. Et il me faut une ouverture, si on veut laisser le port USB, de 8, on va dire. 8. 8 par... Par combien ? 8 par 3. 8 par 2, 7. Donc, trouver le milieu. Là, il me faut... il me faut ce côté. Côté, c'est le côté droit. Être comme ça. Et donc, il faut que je fasse une ouverture ici. Oui, puis j'ai pas fini de monter mes trucs. Non, donc on fera après. Ouverture, on la fera après. Finir notre boîte. On verra après. Alors. Oh. Voilà, donc là on a l'intérieur et maintenant il va falloir que je fasse, non pareil je ferai après ça, on va finir les murs de notre boîte, donc je me remets comme ça et du coup maintenant je vais sélectionner le pourtour extérieur qui fait 2 mm également, tac et tac, et lui on va le monter de combien, on va le monter de combien? Et ben lui, on va le monter de, j'aurais dit 10. 10 plus le truc au milieu, on va dire donc 11. Est-ce que 11, ça va me suffire ici? Ouais, ça va être juste. Donc, partons sur terminer l'esquisse. Et on va monter le tout, donc de... Vu qu'on part du bas, 10 plus 1, 11 mm. Et on va toujours pas faire couper, on va faire joindre également. Ok. Donc ça nous donne ça. On a l'emplacement intérieur pour le composant et de la place sur les côtés pour mettre le reste. Ok. Ok. Ensuite, c'est là qu'on va faire une ouverture. Donc, Zio. Ah, ça va être galère. Là, donc ici. Ici, il faut que je trouve le milieu. Et donc, le milieu, c'est là. Ok. 3 mm et moi j'ai dit qu'il fallait que je monte de combien de 3 mm, c'est parfait. Je vais ouvrir la totalité. Ah non, je vais faire un peu plus. Ça c'est le bas. Ça va reposer. Faut que je fasse de 5. Alors du coup, il faut pas que je monte tout en haut. Que je parte de tout en bas, hein, et il faut que je monte de l'épaisseur de ça, donc 1,4, donc je vais faire 1,2, donc on va monter de 1,2 et l'angle 0 degré, je suis où là? Là, moi c'est là-dessus. Et on a dit 1,2. 1,2. Ça doit être ça. 1,2 et en partant d'ici. Donc on va faire créer rectangle.
Rectangle 2 points, 3 points. Premier coin. Ah oui, mais ça va pas ça. Premier coin, ça va pas. Mais bon, tant pis. Il faut que je fasse une ouverture de 8 de large, donc je fais 4. 4, et j'ai dit combien de haut? Team Buddies en PS1 pour la redémarrer, vu les prix, ça pique. Tu m'étonnes. Le rétro, c'est devenu horrible. Mais horrible. Donc, on a dit 4. Non, pas 4 de haut. 4 de large. Et on a dit en hauteur. Bah si, on va faire 4. 4 aussi. Allez. 4 également. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 4. 4 mm. Ok. Tac, tac. Imprimer. Bon, sélectionner les deux ici. Terminer l'esquisse. Et ça, du coup, on va évider. Ok. Voilà. Ça, c'est l'ouverture pour mon port USB, ma prise USB. Si jamais j'ai envie de brancher un USB. Et ce qu'on va faire. On va faire ça. Tac. Et on va se faire un F pour filet. Et du coup, on va se mettre comme ça, c'est pas mal pour l'USB. Voilà. Là, si on veut brancher l'USB, normalement, on aurait de la place. À moins que je me fasse ça. Non, c'était très bien comme j'avais fait. C'est très bien, on va sélectionner les côtés. F. Alors est-ce que je le fais en filet ou est-ce que je le fais en chanfrein? En chanfrein, c'est bien aussi. De 2 mm. Oula, ça fait violent là. Hein. Non, en F c'était bien. Tac, tac, tac. De 2 mm. Voilà, ça c'est très bien. On va le faire comme ça. Dak, bonne soirée Legjo. Eh ben écoute, merci d'être passé. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il me faut de la place pour ma LED ici. Alors, ma LED. Moi, je vais faire une petite pause. Je reviens dans 2 minutes. Hop.
Thank you.
Allez, on est reparti. Désolé pour cette interruption. Alors, donc j'en étais à l'emplacement de ma LED. Donc ma LED, elle est à, si j'essaye de prendre le milieu, à peu près. On va faire comme ça. À peu près le milieu. Est-ce que c'est pareil sur l'autre? Ouais, à peu près. Allez, 25,8. Donc là, on va reprendre le plan ici. Et là, on va tirer à... Ouais, non, ça va pas le faire. Non. On va plutôt prendre ce plan-là. On va faire comme ça. Comme ça. On va se prendre donc ici à donc 0 degré. Elle a pris au point là. Non. On a dit l'angle. Ok. Et ici donc 25,8. Ok. Et du coup on a un débord de combien? Pas grand chose hein, parce que le centre a l'air décalé de quoi? 0,5 à peine. C'est ça, 0,5. Ah bah tant pis hein. Par ici et on fait 0,5. Ok, 0,5. Et du coup la LED elle fait un diamètre de 4,5, on va faire 4,8 pour être tranquille. On fait 5. Donc il y a le bas qui est un peu plus large. Alors, on va faire les deux. Je vais faire 5 et quelques. Bah, je vais faire 6, allez, ça m'importe. Je fais 6, paf, un cercle. Ici, je fais 6. Allez, on est bon. Tac, allez, 6. Ok, ensuite, je prends mon cercle. Hop. Et terminer l'esquisse. Et ça, je le monte. Voilà, qui fait que normalement j'ai la place pour ma LED. Est-ce que j'ai besoin de faire un petit évidement pour les papates de la LED? Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc il faut que je me mette à... Je vais me laisser sur le même côté. Donc il faut que je me mette de 20. De 20 à 35, grosso modo. Non, moins. De 20 à 33. Allez, de 20 à 33. Donc, on va supprimer les lignes qui ne me servent plus à rien. Hook. Et on va retracer, donc, ici, 20. Ok. Et une autre. 33. Tac. Et là, on va se faire un tout petit évidement. De... Bah, 1. Allez. Non. 1. Je veux pas le verrouiller.
Pourquoi il se verrouille là? Ah putain. Donc on a dit de là à là. Donc 13, ok, et là 1. Ok, allez. Bah, pourquoi il ne prend pas le rectangle que je viens de créer là? Voilà. Terminé, et ça, on les vide. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? C'est bon. Ok, on va faire comme ça. Voilà, donc là il y a la LED et il y a le bazar. Ok, et ensuite, et ben on va faire le l'emplacement ici. Ah mince, comment je vais faire là? Là, il faut que je regarde mes fils, Ça fait 4. 4. 4. 4, 2. 4, 2. Allez, 4, 2. On serrera un peu, ça passera. Donc 4, 2. Il faut que je fasse 2 trous. 2, 4, 2, il faut que je me mette à peu près au milieu, hein, un peu moins. Un peu moins que le milieu quand même. Alors qu'ici ça passerait. Le milieu c'est combien? Ah quoique. On a dit que ça faisait combien? 55. La moitié ça va être 27,5. 27,5. Ah bah ça. Ok, de l'autre côté. Ah, c'est ça. 27,5. Donc, hop. On est maintenant de ce côté. Tac. Faire ça. On va se mettre au milieu de la boîte. Créer rectangle par le centre. Alors le milieu de la boîte ici et ici. Tac. Là c'est le milieu. On a dit 4 2 4 2 4 2 4 2 x 2, ça fait 8 4 8 4, plus on va laisser quoi, 4 mm entre les deux, 5. Plus. On va laisser 10 entre les deux. Donc 10, 10. Salut Bicliner. 10 mm plus 4, 2 et 4, 2 plus 8, ça fait 18, 4. Alors on a dit 18, non 18,4. Et en hauteur, eh ben 4,2. Voilà. Comment ça va, Bifiner? Cercle. Centre. Cercle, 2 points. Donc 2 points, si je me mets au milieu et que je fais 4,2. Tac. Et ici, la même chose. Créer cercle. 2 points. Au milieu et je fais 4,2. Voilà, donc ce soir nous on est en train de faire de la modélisation 3D pour pouvoir faire des boîtiers pour mes petits adaptateurs sans fil pour manette de PS1 et de Super NES en Bluetooth. Voilà, donc ça on a fait ça dans la semaine dernière, on en a fait un lundi, un jeudi si je dis pas de bêtises.
Et du coup, maintenant, on va faire une petite boîte parce que je veux pas avoir le composant qui traîne. Quand je prends mes mesures, ça va donner les valeurs intérieures ou extérieures. À quel niveau? Parce que là, je prends des, là, j'ai fait des cercles pour faire des trous de la taille de mes câbles. Donc les câbles vont venir se glisser dedans. Ensuite, on va refaire des petits rectangles. On va partir du côté ici jusqu'au côté là. On va faire pareil de l'autre côté, de l'angle, hop, jusque là. Et du coup, je vais pouvoir sélectionner tout ça sans cette partie là. J'y arrive. Cette partie là et à côté on va faire pareil. Si j'arrive à bouger majuscule, on va prendre tout ça et ça, et là je fais terminer l'esquisse et forcément ça m'a pas fait la sélection. Tac 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 tac. Là je vais évider cette partie là. Ziou. Ok, voilà. Là j'ai deux encoches pour passer mes fils. Non, ça va être. Alors ça va être une impression 3D. Ça va être la partie basse, on va dire, de mon boîtier. Je vais mettre mon composant dedans et je vais venir enficher mes deux bouts de câble. Donc mes deux bouts de câble qui sont ici et ici. Et puis après, je vais me faire une partie supérieure. Me faire une partie supérieure et ça je viendrai rajouter la partie qui va ici là. Rajouter de l'épaisseur, mais normalement j'ai rajouté ce qu'il fallait, donc ici cette partie là j'ai tout pile l'intérieur de la dimension de mon composant avec des petites bordures de combien j'ai mis 3 mm de haut pour venir le coincer au fond. Après j'ai fait un trou pour ma prise micro USB. J'ai fait un emplacement parce qu'ici je vais avoir une LED. Et puis voilà. Et puis voilà. Et maintenant, on va faire la partie supérieure parce que là on est bon. On est bon. Donc, partie supérieure. Allez. On va recréer donc une esquisse. On va refaire un rectangle. Tac, ici. On va sélectionner le centre. On va tout sélectionner. Terminé. Bien sûr, il m'a pas tout sélectionné, l'enfoiré. Tac. Là, normalement, j'ai tout. J'ai tout. Et ça, on va faire une épaisseur de... Combien je veux faire ? Je vais faire... Et ben, 1 mm aussi. Bah tu vas voir comment je vais faire. Vu que... Ah merde, j'aurais pas dû faire comme ça. Vu que je vais faire une partie supérieure, et ben je vais faire un nouveau corps. Tac. Donc là j'ai un nouveau corps. Comment je peux le sélectionner ce nouveau corps là d'ailleurs ? Faire corps, je vais l'appeler dessus, et ce corps je vais lui faire un move, je crois, yes, et je vais le monter de 1 mm, voilà, histoire qu'on voit le truc. Et cette capsule, et ben je vais me faire deux petites papates qui vont venir descendre pour coincer le câble. Voilà, comment je vais faire. Donc là, j'ai un contour de... Combien j'ai dit de largeur? 2 mm, je crois. On va vérifier, inspecter.
ça et ça. Ah, cochonnerie. Été. Ça et ça. Inspecter. 1, il était là. Et 2, c'est ça, 2 mm. Donc, je vais me remettre sur ça. Je vais sélectionner mon truc. Je vais faire des bordures. Je vais prendre ça. Et je vais faire 2. 0.2, 0,2 mm de marge, c'est pas mal. Hop là. Et ensuite, je vais prendre ça. Je vais refaire une bordure avec ça. Et je vais refaire 2 mm pour que ce soit costaud. Ok. Du coup, ça. Ah mince, pourquoi il m'a pas pris le... Ça, une bordure. Ben si, je prends ça. Ah, il me le veut pas, ça. On va prendre ça, c'est pas grave. On va faire 2,2, ça fait 4,2. Voilà. Comme ça, j'ai bien 2 mm ici. On va faire terminer l'esquisse. Et ça, on va l'extruder de moins... Allez, 4 mm. De, moins 3. Ça devrait suffire. Ok. Donc maintenant, je vais supprimer le décalage. On va le faire. Alors, il faut que je sélectionne non pas le corps, mais là, ça me sélectionne le corps entier. Super. Tac, si je fais ça, voilà. Là, ça me prend bien cette vue, cette face. Ensuite, bah, je vais recréer un truc là-dessus. Ok. Et je vais sélectionner deux rectangles. Ils vont partir donc de points là. Jusqu'à. On est pas mal. Est-ce qu'on est bon là? Ouais, ça a l'air pas mal. Ok, et je vais faire pareil l'autre côté. Je vais prendre le point et je vais aller jusqu'à. Si je suis bon là, non, on va pas faire comme ça. On va annuler l'esquisse. On va la refaire. On va la refaire en reprenant les vraies côtes. Hop. On va la reprendre. Faire en reprenant les vraies côtes. Inspecter. Là. 55, il faut que je fasse 27,5, je vais faire pareil. Donc on va reprendre ici. Là. Ok. Et ben non, mais je suis bête. Je peux reprendre. Ah, normalement. Alors je suis comment là? Ah oui, je peux reprendre ça. Je peux reprendre ça. Et c'est juste à partir d'ici. J'y arrive à me remettre. Voilà. Je vais me faire un petit trait. Non, je vais me faire. Je sais. Je vais me faire un rectangle en partant du centre. Là, je suis au centre. Alors, comment je sais le centre de ça là? Le centre, il est là. Tac. Et du coup, et angle par le centre. I. Et du coup, ça faisait 18,4. Et j'ai fait 2,2. C'est pas grave ça. Faire comme ça. Ok. Et du coup, on repart d'ici.
Et on va faire... ça faisait combien de large? Je serais pas vautré sur la taille des trous, moi. J'ai l'impression que je me suis vautré sur la taille des trous, non? Je reprends ici. Et 4.2 par 2.2. Non, c'est bon. 4.2, 2.2. Non, c'est bon. Et ici, j'en fais un autre. Tac. 4.2. 2.2. Touk. Voilà. Et maintenant que j'ai ces deux portions, ça, ça, et ben je peux venir et remettre droit. Terminer l'esquisse. J'aimerais réussir à sélectionner mes deux rectangles. Voilà. Terminer l'esquisse. Ok. Là, je peux les extruder vers le bas. Allez, 5-5, et je vais pas faire joindre, je vais faire nouveau corps. Ok. Et ça, ça, je peux pas les fusionner. Le corps, je peux pas le fusionner. Non, bon, c'est pas grave. Et du coup, ok. Mais non, mais ça va pas, ça. 3 moins 11. J'avais dit moins 5, 5. 5, 5. Voilà. Et du coup... voilà, ça. Et il faut que je reprenne ça. Tac, tac, tac. Termine l'esquisse, je refais mes petits trous. You. Ok. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Pour fermer le capot, tu fais des encoches, voilà, avec les dimensions. Pas tout seul. Normalement, avec les dimensions, ça va s'emboîter tout seul. Mais je m'aperçois que... j'ai merdé, j'aurais dû laisser un tout petit peu de marge sur les côtés là. Ça, on va le refaire, c'est pas grave. Donc j'en étais là. Ça, 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 ça. Terminé l'esquisse. Du coup, je peux refaire une extrusion. Enlever mon morceau. Ok, normalement j'ai d'autres corps là, corps 4, corps 5, corps 3. Ok, donc si je prends tout ça là et que je fais un move de 1 mm vers le haut, voilà, ça me donne ça. Ok, donc là j'ai une boîte qui se referme. Ok, et là, il va falloir que je réduise un petit peu. On va faire moins 0.1. Ok. Ici, pareil. Moins 0.1. Moins 0.1. Tac, voilà, histoire d'avoir un petit peu de jeu. 0,1 mm, c'est pas ouf, mais bon. Au pire, je mettrai un coup de lime. Moins 0.1 et extrusion moins 0.1.
Voilà, donc là normalement ça devrait s'emboîter. Ok, ça c'est cool. Maintenant il va me rester à faire les boutons. L'emplacement pour les boutons, reset reset et boot. Je vais y arriver. Voilà, donc ça va s'imprimer. Ça viendra clipser. Je mettrai un petit coup de colle chaude à l'intérieur. Et ça ne devrait pas bouger. Voilà. Ça, c'est bon. Et j'ai mon pourtour en haut. Ouais, c'est juste. Et ça va passer. Ok. Ok, ok. Là, hop là. Donc j'y remets là. J'y remets là, j'y remets là. Ensuite, je vais me rebaser là-dessus. Alors, est-ce que je peux le dessus masquer ? Il n'y a pas moyen de fusionner ça. Non. Pas bon, ça. Je peux pas fusionner les trucs, là ? Modifier. Assembler. Groupe rigide. Oui. Combiner. Combiner, c'est bien, non ? Je peux pas. Eh si, j'ai un seul composant maintenant, c'est bien ça, voilà. Voilà, j'ai pu combiner, ça me fait le dessus. Ok, et je vais le laisser invisible. Yes. Et donc je vais m'en mettre ici. Et là on va prendre les mesures. Donc on a des boutons. Ils sont. Et là où je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, on va se débrouiller. Donc, je suis à... millimètres du bord. Ouais, hein, c'est ça. Hein. 37. Ouais. 3 et quelques. Ça, après ça. Bon, 3 mm. 3 mm et par rapport au côté. Là. 5. Prêt. Allez, 5 et 3. Donc, je vais refaire. Je vais pouvoir me rebaser normalement sur cette esquisse-là. Là. Et donc, par rapport à ici, je vais faire un rectangle à 3, 5. Ok, et de l'autre côté pareil. 3 et 5. Ok. Ensuite, ici, je vais faire un rond de 4 par 4. De 4. Allez, 4. Donne 5. Allez, 5. C'est bon, tac, et l'autre côté pareil. 5. Ok, je vais supprimer. Non, est-ce que je peux faire ça et supprimer ça? Oui, je peux. Et là, et là, voilà. 5, 5. Je vais sélectionner mes deux pastilles, tac, tac, terminé. Et du coup, je vais les monter. Je vais me mettre là. Les monter de
Alors, ça va jusqu'où? Voilà, 11. Donc, et si je réaffiche ça, normalement, j'ai des... Merde, c'était pas ça. Je sélectionne. Commence ça. Terminé. Je monte de 11 et je fais pas joindre, je fais couper. Comment ça, je peux pas couper? Ah bah attends, faut que je fasse 10, 5 heures. 10, 5. Est-ce que ça, ça coupe? Est-ce que ça me fait des trous là-dedans? Oui! Ça, ça marche. Et je fais ça. Il faudra que je fasse des carrés. Alors, rectangle en partant du centre. Tac. Si je fais 12 par 10. Oh. 12 par 12, on va faire des carrés. Ok. Et ici, 1. Angle. Par le centre. Ah, j'ai pas le centre de celui-là. Bon, terminer l'esquisse. Ah, ça va pas cette affaire. Et angle par le centre. Pourquoi j'ai pas le centre ici? Pas comme ça alors. Tac. Angle. Centre. Là j'ai le centre. Et donc on a dit 12 par 12. Ah, ça fait trop juste. Donc. Tac, on repart ici et rectangle par le centre. Tac, donc on a dit 12 et du coup par 10. Hop là, on va faire des petits rectangles du coup. Ensuite, terminer l'esquisse. Ici, non, pas terminer l'esquisse. Et donc, là. On va faire un contour là et je vais mettre à moins 1 mm. Ça me paraît beaucoup 1 mm, non? Bah non, c'est pas tant que ça. Hein. 0,5, allez. Moins 0,5. Ok. Terminer l'esquisse. On va faire pareil de l'autre côté. Esquisse. Vu qu'il veut pas, encore que, non. CTRL Z. Je me remets dans celle-là. Est-ce qu'il veut pas me faire une ligne jusqu'au centre de l'autre? Ah, il veut pas. Non, je suis obligé de faire deux esquisses. Tant pis, terminé. Tac, nouvelle esquisse. Créer rectangle par le centre, on prend le centre du cercle, on fait 12 par 10, ok, ce qui me laisse de la marge ici. Ensuite, je prends ce truc là, je fais un contour, je choisis ce contour, je fais moins 0,5, tac, ok, du coup, je vais pouvoir terminer l'esquisse. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas?
pourquoi est-ce qu'il veut... Ah ouais, parce que du coup, c'est en dessous. Ah non, attends. Et où je suis... J'arrive pas à voir. Ah ouais, je suis au milieu du truc, c'est pour ça. Ok, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à sélectionner. Bon, ok. On va faire ça. Non. Ah, faut que j'arrive à sélectionner uniquement le contour. Ça. Moins. Voilà, ça. Ça. Terminé. Merde. Pas ça. Tac. 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 Terminé. Du coup, c'est tout ça qu'il faut que je coupe. Voilà, ça. Tac. Ah oui, mais il faut que je fasse dans les deux sens. De côté. Et là, je coupe tout. Voilà. Tac. Et tac. Okay, j'espère que ça n'a pas découpé celui-là. On verra. Non, c'est bon. Voilà, il faut que je fasse pareil l'autre côté. Donc, c'est cette esquisse. Tac. 306 là. 05, ça semblait bien. Et touc. Ça. Terminé. Ça. Touc. Un côté symétrique, c'est très bien. Donc. P. Ok, voilà, et donc là ça me fait deux petits boutons touk touk avec un petit peu de souplesse. Et donc ce que je vais essayer de faire, peut-être, quoique j'ai 1 mm, ça va être souple quand même, ça devrait le faire. Ok, et donc là-dessus, sur cette esquisse, j'aimerais insérer. Comment on fait? Un SVG? Non, c'est pas un SVG. J'aimerais insérer une image. Canva. Canva, peut-être. Canva à partir de mon ordinateur. Loisir. Projet Blue Retro et le symbole du Bluetooth. Alors, il s'est mis où le symbole du Bluetooth? J'aimerais le mettre là-dessus. Où qu'il est gros. Alors, on va déjà le tourner de 90. Ok. Et j'aimerais le réduire. Est-ce que je peux le réduire? Modifier échelle, donc là
Bah, pourquoi je peux pas la sélectionner là? Bah alors? Annuler. Moi je veux ça. Modifier. Eh, pourquoi il me l'a remis dans l'autre sens? Il y a comme ça le symbole du Bluetooth. Dans ce sens. Hein. Et. Opacité, je m'en fous. Passe. Ok. Bah, dis donc. Dis donc, nous dis donc. Comment je réduis la taille de ce canevas? Échelle. Mais je peux rien sélectionner là. modifier. Modifier les paramètres. Non, alors si j'enlève et je fais insérer, donc du coup c'est bien un canevas. Ou alors je fais des calcomanies, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mets là-dessus. Ah, c'est déjà mieux dans ce. Donc si j'y mets à 90 degrés, que j'essaye d'y placer par là, j'aimerais y réduire. Non. Non. Ah. Échelle. Ah voilà, c'est là où je peux déplacer l'échelle. 0,5. 0,5. Déjà là, ça me paraît mieux. Alors. 0,4, 0,4. Bien là. 0,45. 0,45. Ah merde, mais ça me fait à chaque fois une échelle. Ah putain. On recommence. Insérer. Des calcos, c'était bien. Et il faut que ce soit du PNG. Ok. Donc là-dessus. Là-dessus. Tac. Et on a dit 0,4. 0,4. 0,4 c'est bien. Pas mal 0,4 non? Ok. Pas mal ça. Qu'est-ce que ça m'a foutu en dessous là? Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Calco qu'il faut faire. On repart. Insérer. Alors du coup on va prendre un canevas hein, comme on avait dit. Canevas, sélectionner, on prend le PNG, on le met sur cette face, on le... Alors c'est comme ça, et Bluetooth c'est comme ça, donc à 90 degrés. Ah mais là j'ai pas d'échelle. Là je suis obligé d'avoir cette taille. C'est nul. Nul. C'est trop nul. TXF.
Des calcomanies, ça paraissait pas mal, mais... Si je fais comme ça, je fais tout en 0,4. 0,4. Qu'est-ce que ça m'implique là-dedans? Comme ça. J'y mets là. Et ok. Ça me fait quoi là? Ça me casse tout ou ça me casse pas tout? Non, ça a pas l'air de tout me casser. Ok. Ah mais je... C'est bien beau tout ça, mais je peux rien faire de mieux là. Passe, enchaîne, hein, si je fais pas ça. Ah, que je fais M. Alors. Je fais ça. Que je fais... Modifier la fonction et que j'y mets bien en face. Voilà. Bien centré à peu près, quoi. Comme ça. Ok. Est-ce que ça me fait quelque chose? Non, ça me fait rien, c'est bon. Et ça, est-ce que je peux en faire une extrusion de ce bazar là? Non. Hein. Comment je peux faire? Je vais être obligé de tout redessiner à la main. C'est ça. Ça fait chier. Ça serait ballot, ça. J'aimerais bien... mettre mes deux logos et puis envie de faire des étiquettes et d'y coller dessus après quoi. J'aimerais bien faire des vrais trucs incrustés dans la masse. Tac, tac. J'avais téléchargé aussi. Il est où mon truc? PNG. Ah. J'avais pas enregistré tout à l'heure l'image. Mince. Ouais. Je croyais. Eh ben je croyais, on va aller chercher alors. Tac. Over icône, on va se prendre ça. Voilà, et on va se prendre. Là, il était bien. Pas en quoi il était. Et là, il est pas mal. Ok, super. Bon, bah, celui-là. Allez, celui-là est très bien. Enregistré sous. Ah, mais c'est de l'HTML. Download JPEG. Download JPEG. Preview. On peut essayer ça. Ok, il n'y en a pas d'autre. PNG. Peut-être que SVG c'est encore mieux. On va en essayer plusieurs. Tout affiché. Alors, celui-là, par exemple.
PNG. Bon, c'est pas du SVG, mais c'est du PNG, c'est déjà pas mal. Après, la couleur, je m'en tape. Download PNG. Bon, bah, PNG, alors, si vous voulez. Hein. Je peux avoir le PNG, s'il vous plaît. Allez, on va essayer ces deux-là. Insérer, Canva. Là, il me plaît bien. Ici. Ouh, que c'est gros. On va le tourner. Et on va se mettre en ben, 0.4 aussi. Hein. Encore trop grand. Insérer. On a dit quoi? Des calcos du coup, non? Je crois que c'était plus des calcos. Celui-là était bien. Ouvrir. Là. On a dit concentrer là. On va faire quelque chose comme ça. Ça, on a dit tac. Et ensuite, zéro trois, j'aurais dû pas me faire chier, j'aurais dû mettre 0.3 ici et là. Voilà, ça donne là, c'est pas mal. Entre un peu là. Ok. J'arrive pas à voir. Bien, j'ai un truc là, mais. Ça m'a fait quelque chose en premier plan, mais bon, je n'arrive pas à faire. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va se réoccuper de ça, là. Donc ça, là, il faut tout que je raffiche. Corps 1, il faut que je le réaffiche. Et il faut même que je masque dessus. Donc ici, on a dit quoi? Si je prends le plan là, c'est où que j'étais monté? On va faire plutôt comme ça. Où est-ce que j'avais fait des extrusions là? Non, non, ça va être dans les premières ici là. Non, ben c'est, non, c'est pas compliqué. Non, non, là alors, voilà. Là j'avais fait 11, 20, 10. 10, 10, 10, 10. Ouais, il y a 10 mm de haut, 10 mm, et donc 10 mm, moi, le bouton, il est à peu près à... Je me base comme ça. 3,5. Je garde un peu de marge quand même. 4. Allez, 4 mm. 4 mm, je devrais être bon. Yes. 4 mm et j'en ai 10, donc il faut que je descende de 6. Tac, tac, il faut que je descende de 6. Donc 6,5 parce que là je suis déjà rentré de 0,5. Donc là, pouf, on fait 6,5. Et voilà, normalement j'ai mes teuteux pour appuyer sur mes boutons. Comme j'ai tout le truc qui va bouger. Look, ça devrait le faire. Ça et ça, je vais les faire reculer de moins 0.5. Voilà, histoire d'avoir un peu de marge.
encore plus ici que le reste. Ok. Ok, là on devrait être pas mal. Maintenant, moi j'aimerais réussir. Voilà, et du coup si j'affiche le tout. Touc. Voilà, et là j'ai mes deux boutons. Là c'est souple. Non, c'est pas souple. Ah oui, non, ça va pas être souple. Ça va pas être souple parce qu'il va falloir que je retire toute la partie ici là. Comment je vais faire? Non, là ça appuiera que dalle puisque ici il va rien se passer là. Ou alors je fais l'inverse. J'ouvre ici et je laisse plein là. Ça peut être pas mal comme ça. Ah oui, non, faut que je laisse du mou ici. Ouais, c'est pas cool ça. Mince, j'ai pas pensé à ça. Non, ça veut dire qu'il faut que je fasse des encoches ici. Là, ça va pas. Ou alors, je referme là et j'ouvre ici. C'est ça, faut que j'ouvre à l'intérieur. C'est ça. Donc, je reviens sur ce que j'ai fait. C'était où? C'était là. Et enlever port. C'était quelle esquisse? Ça, c'était laquelle? C'était le dessus. Alors ça va être celle-là. Ouais, c'est ça. On va se remettre là. Et du coup, pas que j'aille là-bas. Il faudrait tout que je redécale. Merde, merde. Fuck. Est-ce que je peux prendre ça? Ça. Et tout redécaler. Est-ce que je peux bouger? Modifier. Décalage. Ah putain. 0,5 mm. Je repars d'ici en fait. Est-ce que ça, je peux y bouger? Je peux rien bouger du tout là. Tac, tac, et si ça... Non, je peux rien bouger. Mince. Déplacer objet. Que ça, ça marche. Ah, je peux pas y déplacer. Merda. Merda, merda. Et bah, c'est pas grave. On va refaire. J'avais dit... 10 par 12. Donc ça, je supprime. Et ça, je supprime. Ça, je supprime. Mais ça, je supprime. Et on recommence. Allez, tac. Rectangle. 2 points. Non, il faudrait que je parte du centre. Et rectangle. Partir du centre. Le centre, faut bien que je prenne ça. Alors. Là pour l'instant je m'empête et il faut que je fasse 10 ici. Et là, et ben 4. Non, moins que ça. Ça fait combien? J'ai combien ici? 3.6, pourquoi pas. Donc là, je repars d'ici et donc je fais 10
12. Non. 10 ici. 12 là. Ok. Donc celui-là, dégagé. Okay. Je retrouve avec ce rectangle que je pourrais jamais sélectionner quoi. Ensuite, ce truc-là. Ça va me faire chier. Et ensuite, ce rectangle, il faut que je fasse. Du coup, 0,5. Sur tout le pourtour. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait tout à l'heure? Oula, je vais trop loin. Voilà. Comment j'avais fait? Ouais, 10, 12 et j'avais fait 0,5 à l'extérieur. Réponds à un SMS, j'y arrive. Ok, donc je vois ce que j'ai fait. Donc tac, là, prime, on repart ici. Ah, ça fait chier. On va recréer une esquisse. On va recréer un rectangle par le centre. Je me remets au centre. Et je fais 3,6. 3,1, tiens, on va faire. Ça, on a les 0,5. 3,1. Par. Tac. 10. Ok, ensuite je fais ça. Et là je peux faire 12 par 10. Ok. Ensuite je prends le rectangle. Je fais ça. Et celui-là. Et 0,5. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, mais oui, c'est tout décalé, putain. Rectangle. Rectangle. Centre. Ici. 5. Je vais faire. Alors, 3,6. Faut que je fasse 2,6. Non. 0,5. Bah si. 3,6. Ça m'amène pile au bord. Je fais 3,1, ça me fait bien mes 0,5. Ah mais... Ok. Ça va pas cette affaire. J'ai combien là entre ici et le bord? J'ai 1,8. Ben, si je faisais ça, 1,8 auquel j'enlève 0,5, ça me fait 1,3. Ok, et l'autre côté, du coup, 5. Voilà. Et du coup, d'ici, je fais 12, 10. Voilà. Ok. Et donc ça, je fais ça. Ça. 0,5, et je tombe tout pile. Voilà, là c'est bon. Eh ben, bordel.
coup le bouton, putain, ça va m'emmerder. Ça va m'emmerder. Bon, c'est pas grave. Ça. Ça. Tac. Là, pour le coup, on enlève. Voilà. Ok. Voilà. Là, c'est bien. Ça. Ok, terminé. Ah. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ensuite, on va faire métrique. Et on va sélectionner ça avec. Ok. Ça et ça, on va y enlever. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ici et ici, un canevas, on va recréer des cercles au centre de la même taille. On va le remettre au pile en face. Ah, j'ai dit tout pile. Allez, un effort. Tout pile là ? Pas tout pile. Pas tout pile. Inspecter. Ça. J'ai dit inspecter. Ça. Bon, je sais pas pourquoi 15-40, mais... 15-40, les deux côtés. Ah oui, parce que je suis... J'ai fait 25 quelque chose. Ok, 15-4. Donc là, 15.4. Normalement, je suis... Bordel, c'est pas possible. Ah. DEV. 1. Moins 15.4. Touk. Si je fais paf.
Paf, terminé. Ok, que je fais ça. 2 mm. On va faire que 2. Ok, et qu'on fait pas couper mais joindre. Ok. Ça. Et ça. Je fais un filet. Non, pas un filet. Ça. Ça, je vais faire non pas un filet, mais un chanfrein. Ah, je peux faire plus ? On s'égale de distance. Voilà. Donc 2 mm. Voilà, et comme ça, ça doit passer. Annuler. Moins 2. Moins 3. Ah mais du coup joindre ça va pas le faire. Moins 2.9. Moins. Ok. Et ça et ça. On a dit modifier chanfrein. Ici de distance. Là tout touc. 1. Et ici. Moins 2.9. Et ici, 1. Très bien. Ok. Je peux pas faire moins. J'ai ma pastille qui pourra appuyer dessus. Sans problème. Si je fais F. F, c'est bien. Ok. Et je refais F ici. Ça passe après, hein. J'ai l'impression. Voilà, sans support, ça devrait passer. Ça devrait passer sans support. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai trop fait. Putain, c'est pas vrai. Là. Il me manquait ça là. C'était ça. Ah. Ah, voilà. Ok. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, j'ai l'intégralité de ma pastille. Ça passe. Ça coince pas. Normalement, c'est bon. Coulissera, là ça se fermera complètement, je pourrais coller moi-même mon boîtier et du coup il va me rester ces deux trucs là.
ça. On va les placer ici. Allez. Là. Et là-bas. Voilà. Ça. Je peux y modifier. Oh. You. Et ça, je peux y remonter. Là. Ok. Et celui-là. Pareil. Voilà. Ok. Maintenant, je vais peut-être pouvoir faire ok. Je vais le faire à la main, le logo, parce que je vais jamais y arriver autrement. Ok. Ensuite, créer polygone. Et tac. Alors, nombre de côtés. 3. Pas comme ça faut que je fasse. Et polygone. Part d'ici. Tac. 1. Tac. 3. Fasse le contraire. Que je fasse à peu près là. Ok. Et ensuite, je crée des cercles. Non, que je crée des traits. Voilà. Et là. Entre là. Et là. Ensuite, cercle. Entre là. Et là. Au milieu. Et là. Ok. Et ensuite, je viens des portions que je n'ai pas besoin. Allez, pourquoi il veut pas sélectionner? Bien sûr, je te fasse là. Voilà, ça. Je peux pas y virer. Là, je dégage. Là, je dégage. Là, je dégage. Ah, dégage. Je peux pas dégager ce que je veux. Pas grave. Ah, mais j'ai été trop loin là. Qu'est-ce que c'est que ça? On reprend les traits. On va se mettre là et I. Là et ici. Elle est trop loin de tout à l'heure. Hit. Le milieu c'est ça. Et là je suis bon. Le milieu c'est ça. Là je suis bon. Ok. Et donc si je fais ça. 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 Là. Là. Je devrais pouvoir terminer l'esquisse. Ah putain, il veut pas m'y sélectionner encore ce trou du cul. You. Là. Hein. Par là. 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 Là, je devrais pouvoir faire moins 0.4. Pou. Oh. Oh, deux couches. Deux couches, on est bon. Ok. Ensuite.
un rectangle. Bon. On va faire créer un rectangle par le centre. On va partir du centre ici. On va se mettre à peu près là. Et on va se faire le rectangle ici. Voilà, on va faire quelque chose d'à peu près symétrique. Donc là, ça va faire 4, on va dire. Et là, ça va faire 2. 2, c'est un peu gros, non? 1, 8. 1, 6. 1, 6, c'est bien. Ok. 2 cercles. Tac. Tac. Donc ça. Terminer l'esquisse. Là, on va rajouter du coup. Là. Là. Partie. Là. Ah ouais, du coup j'ai des tonnes de parties là. Ça. 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 Et ça. Ok. Du coup. Ça. Je peux dégager. Oh non. Pourquoi il m'a pas pris le reste là? Ça. 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 Ok. Ok. Et donc. Ça. Je me dégage. Il m'a pas tout pris encore là. Il m'en manque un peu là. Ça. Ah non. Et ça, voilà. Là, on est bon. Est-ce que ça ressemble à un vrai bouton power? C'est pas mal, hein? On va rester là-dessus. Un beau truc en relief, ça. Allez, on va rester là-dessus. Celui-là, maintenant. Continue esquisse. Ah. Retourne dans ce sens. Alors là, on va faire quoi? Est-ce qu'on fait des triangles ici? Et polygones. Si je fais ça, j'en mets 3. Que je fais comme ça. Non, ça va pas. Donc, je vais le faire tout au trait là. Ou rectangle. On va se faire un premier rectangle ici. On va se le faire de 10 par 1. Ok. Ensuite, on va se faire ça. Touk, 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 touk. Bien. Ensuite, rectangle, non, rectangle, 3 points. On va partir, d'où? De là, jusque près là, et là, bien ça. Tac. Ensuite, on va refaire un cercle. Tac. On va non, moi je voudrais copier. Non, pas ça. Pas ça. Allez. Ah, c'est trop pénible. Pourquoi il me sélectionne tous les autres trucs, mais pas ce que je veux? Je veux mon cercle.
Et rectangle. 3 points. Pareil, on va se mettre par là. On va aller à peu près jusque là. On va faire quoi? 8. Ok. Que j'ai fait là? Et rectangle, 3 points. On va repartir de ce point là jusque là, donc on va dire 8. Un peu gros, mais bon, c'est pas grave. Tac. Mais pourquoi? Bordel. Angle, 3 points. Le premier. Ah, et si je faisais comme ça? Et donc là, 8. Et du coup, là, donc. Je sais pas pourquoi ça fait pas 1 maintenant, mais grave. Et du coup, j'aimerais réussir à sélectionner ça. Ok, à faire copier coller, à y faire. Alors est-ce qu'on peut faire un miroir vertical de ça? Coller. Donc si je fais ça, il me sélectionne tout le reste. Ah putain, un enfer. Tac. Axe de symétrie. Axe de symétrie. Ça. Ouais, bon, pourquoi pas. Ok. Et du coup, ça. Alors, Z, Z. Symétrie, je sélectionne mon axe par exemple, ok, et ensuite c'est ça que je fais, copier coller, je redécale jusque là, et que j'essaye de centrer, et on va peut-être arriver à faire le Bluetooth. Me débrouille bien. Et franchement, ok. Et du coup, ça. Et donc là, là c'est pas parallèle, hein. Pas grave. C'est pas grave, je vais pouvoir virer cette merde qui me gêne depuis le début là. Ah oui, terminer l'esquisse. Ah,
J'y dégage. Terminer l'esquisse. Et du coup, là, je vais pouvoir ajouter. Est-ce que je vais pouvoir ajouter ce que j'ai là? Il va vouloir ou il va pas vouloir? Ouais. Non. Ouais. Voilà. Pourquoi ça clignote qui veut pas me sélectionner ce que je veux? Mais bon. Ouais. Annuler. Pourquoi il me sélectionne cette face là? Portable. Pixel près d'avant. Et si je faisais. Non, mais si je faisais encore mieux. Je sélectionnais tout. Hein? Hein? Pas sélectionné là. Là. J'enlève ça. Bah ben ouais, j'enlève que ce qui m'intéresse plus. Ça va. Ah. Ah. Et c'est bon là. C'est bon. Ok. Bon, c'est là qu'on voit que les triangles sont pas parfaits, mais faut reconnaître que c'est un Bluetooth, hein, c'est bon. Allez, c'est bon. Ça m'a saoulé de toute façon. On va faire comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Là, j'ai mes boutons, j'ai mes machins, j'ai mes caches. Et donc, si j'affiche le deuxième, touc, là, c'est bon. J'ai mes boutons qui tombent là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça va s'insérer à peu de choses près. À l'intérieur, du coup, là, où est-ce que je peux voir? Là. Normalement, pas une grosse épaisseur. Où est-ce que je peux voir ça? Je vais pas pouvoir voir grand chose là. Bon, bah on va partir là-dessus. Et donc, mon dessus. Là, je vais le masquer. Mon dessus. Je vais le. M. Et donc, je vais lui appliquer une. Non. 180 degrés. En dessus. M. Donc on a dit 180 degrés. On va le décaler de 1, 2, 3 mm. Non, on va pas faire comme ça. On va le faire de l'autre côté. Donc on va faire une rotation plutôt ici, 280, on va le décaler 5 mm, et on va le remonter de 1, 3 mm, ok, et donc si j'affiche celui-là, ah non, je suis pas sur le même plan, merde. Donc je prends mon dessus, M, on a dit 180, et je le remonte de 1, 2 mm, et je le décale de 5. Et là, normalement, en gauche,
Sur le même plan, ok. Et donc ça, je dois pouvoir y imprimer. Dans ce sens-là. Ok! Et ben on va enregistrer quand même ce projet, parce que depuis tout à l'heure on n'a rien enregistré. On va appeler ça Blue Retro. Ah, il n'y a qu'un truc que j'ai pas fait. Merde, 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 j'ai oublié. Ah, le con. Z. Ah, il y a un truc que j'ai oublié. Je vais cacher le dessus. Je vais repartir sur cette esquisse. Je vais repartir sur le cercle. Je vais en créer un autre. Là, on a dit le diamètre de la LED, c'est... grosso modo 5 mm. Et je peux sélectionner à l'intérieur. Terminer l'esquisse. Là. Allez, j'aimerais sélectionner tout mon cercle. Ça, ça. Est-ce qu'il y a au milieu là? Sélectionner. Outil de sélection. Priorité. Filtre. Je veux bien tout sélectionner, mais arrête la face. Outils de sélection. Putain, comment je fais pour sélectionner à travers le truc là? Cercle. Comment on fait pour sélectionner à travers? Filtre. Composant. Non. Sélectionner. Ouais, non, mais j'aimerais passer à travers, moi. Sélectionner dedans. Ah. Et tout. Dedans. Je veux les faces. Face d'un corps. Non. Face de maillage. Non. Là, je peux rien sélectionner. Super. Sélectionner face d'un corps, non, face d'un maillage, non. Ah ben ouais, mais moi je veux bien des faces. Sélectionner dents. Tout sélectionné. Alors là,
prendre ça parce que ça va dessous. Mais je peux pas aller prendre à l'intérieur. Comment je fais pour sélectionner un truc à travers là, bon sang? En plus, ça a déjà été retiré. Bon, allez, stop, ça me gonfle. C'était où? C'était là? Allez. Voilà, terminé. On va refaire une esquisse. On va se mettre ici. Ah ouais, mais je... Créer. Cercle. Deux points. Alors là, comment je fais pour me baser sur... c'est pas possible, c'est pas ça. Donc il faut obligatoirement que je vienne là-dedans. Alors, si je fais ça, je peux faire ça. Sélectionner. Non. Hein. Au lieu de faire ça. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je suis obligé de prendre ça. Ça. Mais je peux toujours pas plus prendre ce qu'il y a à l'intérieur là. Bon, j'ai fait tout à l'heure. J'ai bien réussi à sélectionner tout mon cercle. Ah, j'avais fait comme ça. Yes, c'est ça. Donc, on recrée un cercle. Ici. 2, 5. Tac. On va faire. Ah non, plus large. Yes. Oui. Voilà, on va tout prendre. On va se remettre là-dedans. On va resélectionner tout ça. Terminé. Élevé. Ah. On fait un trou. Voilà, et normalement j'ai ma LED qui va ressortir ici, un tout petit peu. Et où le dessous, je le masque, et donc je devrais passer là ma LED. Bon, allez, c'est pas mal. Ok, 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 c'est là que je choisis le dessus. Je vais me mettre par là. Je vais faire M. Je vais bouger 280. Je vais y déplacer même de 3 mm, ça me suffit. Et remonter de 2. Et là, tac. Et là, et là, et là, je suis toujours pas sur le même plan, putain, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, sérieux. Dessus. Comment j'ai fait tout à l'heure? C'est où? Là, comme ça. Gauche. M. En 80. 1. 2. Eh ben si, 2. Alors. C'est quoi ton problème là? Voilà. Là, j'enregistre. Ok, on est à la V1. Là, je fais fichier. Non, pas ça. C'est dans quoi déjà? Et exporter. Ah, et on va faire ça en STL. Exporter. Quelle heure il se fait? Mais 23h déjà. Dis donc, le temps de tout modéliser. Hop. Donc tout s'exporte.
terminé. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir aller ouvrir Prusa Slicer. Et B. C'est pas simple. Bon, voilà. Voilà mon imprimante. Là, je vais prendre mon fichier. Ah, n'importe quoi. Touk, il est où? Il est là. Tac. Et je peux importer mon STL. Oh là là, dis donc, c'est pas beau ça comme prototype. Voilà. Ça devrait être pas mal là. Ça devrait être pas mal. Ça, ensuite, donc les paramètres, on va pas se mettre en speed, on va se mettre en quality. Quality mode, c'est très bien. On va se mettre avec un remplissage de 30%, c'est pas mal aussi. C'est bien. Ensuite, réglage d'impression. Hauteur 0,2, périmètre 4, c'est très bien. Couche du haut, couche du bas. Couche du bas. Ouais, allez, on va laisser comme ça. Couche du haut. Non, bas, on peut en mettre que 3. Ça va suffire. Et haut, 4, ça devrait suffire aussi. Remplissage, donc en gyroïde, c'est très bien. Et le reste, je vais pas y toucher. Voyons combien de temps c'est censé prendre. C'est censé prendre 15 grammes de plastique et 1h19. Et mon truc censé être flexible. Alors non, support. Aucun. J'ai normalement pas besoin de support. On recommence. 1h18. Et donc. Voilà, deux couches. Ensuite, ça me fait une couche par-dessus. Voilà, super. Franchement, même le remplissage... Ouais, savez quoi? Vu ce que ça prend, coucher périmètre, on va mettre 5. Et normalement, ça ne devrait pas prendre plus longtemps. 1h18. Et ici, je devrais même pas avoir de remplissage. On va mettre 0%. On va refaire. Et ça devrait largement suffire pour le petit trou qu'il va y avoir au milieu, franchement. Ça va pas gêner. Ah, il y a juste ici où il y a un pont. Ouais. Est-ce que je lance l'impression ce soir? Franchement, ouais. Ouais, je suis chaud. Je vais aller chercher du filament et puis je vais lancer l'impression ce soir. Ça me paraît raisonnable. Alors, ici. Ah, oh, putain, il n'y a pas beaucoup de... Ça va jamais tenir, ça. Ça va jamais tenir. Là où on va s'apercevoir des défauts, c'est que ça, c'est tellement pas gros. Ah oui, mais je suis con, le Bluetooth. Le truc au milieu, il va s'imprimer, mais il va jamais rien faire, là. Il faut que je le laisse tout vide à ce moment-là. Je suis nul. Ça va s'imprimer, ça va rester sur le plateau après. Et puis là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, j'ai peur que ça se remplisse pas bien. Remplissage. Support, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Hein. Réglage du filament. Refroidissement. Non, bah déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être réduire. On va peut-être réduire. Où est-ce que j'ai fait mon truc là? Donc, si. Peut-être qu'il faut que je réduise un petit peu la taille. Alors, ça, est-ce que je peux faire modifier échelle? Je peux pas réduire... Modifier...
déplacer, copier, point à point, force latérale, rotation, définir le pivot, point à position. C'est pas déplacé, je peux pas réduire un ensemble. Alors si je fais tout ça, non, je peux rien faire. Putain, faut que je recommence. Oh non, ça fait chier, ça arrive. Ah mais non, je suis con. Mais non, si le truc, ça va. Mais non, il y a une couche par-dessus, ça va s'imprimer, c'est bon. Je suis débile. Débile. Ouais, c'est pas ouf. C'est où mon truc là? Ils sont où mes dessins? Ils sont là. Pourquoi je les vois plus? Ah si. Putain, ça m'a fait peur. J'avais pas fait gaffe que c'était si petit sur les côtés. Hein. Qui fait que là j'ai juste une bande de... deux bandes de filaments. Là j'ai peur que ça casse ici. Là ça va péter, c'est sûr. Quoique après c'est tout plein. Mais non, mais c'est tout plein après, mais je suis stupide ou quoi? Après ça se remplit tout. Après c'est tout plein, c'est juste pour le dessin. Je suis fatigué moi. Il va être temps d'aller se coucher là. On va lancer ça comme ça. Donc on va faire exporter. Sur l'USB, Blue Retro, enregistrer. Et puis voilà. Nouveau revêtement que j'ai reçu qui est texturé pour l'imprimante 3D, et donc ça devrait me faire quelque chose de très 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 joli. Ça, je le mets en place sur la... Mets en chauffe l'imprimante. Mon filament. J'arrive. Voilà, on va prendre du filament gris. Pour être plus précis, c'est du silver. C'est du filament qui va avoir un aspect un tout petit peu argenté. Donc avec le plateau texturé à effet là, hop, voilà, ça devrait plutôt bien rendre. Donc je vais installer ça dans l'imprimante. Je vais récupérer ma clé USB. Et on va pouvoir démarrer tout ça. Et résultat dans 1h15. Si c'est concluant, bah je lancerai
la deuxième impression, puisque il y a deux boîtiers. Donc, deux impressions. Hop. Ah, imprimante qui est juste à côté. Enfin, que je purge un peu la buse, parce qu'il y avait du noir avant dedans. Alors que je graisse aussi mon imprimante, parce que c'est tout queen dans tous les sens. Voilà, et ben écoutez les amis, je vais imprimer ça en off, et puis ben on en reparle au prochain live, au prochain stream. Peut-être qu'on va se relancer sur la Game Gear qu'on avait commencé. Il y a des problèmes de son encore, bien qu'on ait changé les condos. Donc on va essayer de dépanner ça, et je sais plus l'écran ce que ça donnait. Ça clignotait, mais on avait une belle, image, mais ça scintillait. Donc je sais pas, peut-être que celle-là elle passera par la case remplacement d'écran aussi. On essaiera de voir s'il n'y a pas des pistes coupées sur la carte mère. On va essayer de diagnostiquer, on va approfondir, on prendra les schémas et puis on verra ce qu'on trouve. Voilà, et ben écoutez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à jeudi prochain, jeudi de cette semaine. On va aller voir si on n'a pas des poteaux en stream, histoire de faire un petit raid. Qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a encore? Eh ben, on n'a plus grand monde. On n'a plus grand monde. Non, eh ben, on n'a plus personne. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, eh ben, écoutez, passez une bonne fin de soirée et à très bientôt sur la chaîne. Ciao !